Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le sixième épisode déjà de notre let's play sur Metroid Zero Mission. Et la dernière fois nous avions bien sûr continué cette aventure et nous avons obtenu le super missile après avoir affronté une sorte d'abeille tueuse hein, qui était à la base une sorte de chenille qui a évolué, qui a mué et qui est devenue ce monstre que l'on a battu. Et qui nous a donné derrière les super missiles. Et du coup, on va continuer, bien sûr. Et voilà, jusque-là, on était dans du correct. Et petit à petit, bah du coup, on va affronter du plus dur. Vous en doutez, évidemment. Alors, on a prochainement autre chose à affronter, aussi. Par rapport au nom de la zone, notamment. Pour ceux qui connaissent, certains sauront, je pense. Alors on récupère des munitions parce qu'on était un peu vidé à ce niveau-là. Alors ça, sauf que du coup ça recharge pas tous les missiles quand on fait ça. Là, il faut vraiment que j'en récupère des missiles parce que sinon ça va manquer. Tant soit peu. Donc là, terminal de carte qui va nous montrer un peu la carte. Voilà la zone où on est. Carte de Riddle. Avec l'accent, ça rend toujours mieux. Alors, là, t'as des monstres logiquement qui te donnent de quoi. Ça serait bien si tu me donnais des missiles. Voilà. Bon, deux par deux, demain on y est encore. Parce que j'ai pas de statut. de statut pour aller plus vite. Et y a rien qui te. Quand tu récupères le nouvel item, ça te recharge pas non plus. Ça c'est des petits côtés, le manque de praticité qui est venu après dans les autres jeux. Voilà, hop. C'est chiant. C'est casse-pied. Ah, ce serait bien si tu pouvais apparaître, mon ami. Il apparaît pas. Après, je crois qu'il y a un œil juste après qui est sur une porte, mais bon, est-ce que je les ai tous? Ok, cette fois-ci on est bon. De toute façon, pour le peu de points de vie qu'on va perdre, hop, ok, pour des missiles en plus, hein, clairement. On est bien chargé là, dans tous les sens du terme.
c'est pas ici. Là, ça sera pour partir, ça. Or, j'ai pas fait exprès. C'est un réflexe de tirer parce que j'ai cru que il allait avoir quelque chose. Voilà, bon, il fallait pas se précipiter comme ça. Ok, bon, cette fois on tire plus. Bah, il y avait bien un truc après pour le coup. Oh, c'est des tuyaux comme Mario là. Non, ils ont jamais fait de Mario en crossover avec Metroid. À part Smash Bros, mais ça compte pas vraiment. Je pense qu'on va peut-être mettre la vitesse normale. Presque. Ah, j'ai loupé la réserve de missiles, c'est chiant. Ok, bon, on va y arriver. Alors voilà, vous comprenez ce qu'il y a derrière cette porte? Oula. Non, attention. Ok. Sauf qu'avant toute chose, regardez ce qu'on a là. Eh oui, le retour de l'objet inconnu, le troisième. Un objet dont on ne connaît pas l'identité. On sait que c'est dans un costume. Donc c'est un nouveau costume qu'on aura plus tard. Et encore une fois, ça nous permet de détruire des blocs, ceux qui sont derrière notamment. Et on a une nouvelle réserve d'énergie, c'est la troisième. On a 399 points de vie actuellement. Ce qui veut dire qu'en fait on n'avait pas besoin de faire ce que j'ai fait avant. Bref. Et voilà ce qu'on va affronter. Alors attends, parce que je suis en train de faire n'importe quoi là. Et voyez donc ce que ça fait derrière. La seconde tête va s'allumer. Donc maintenant, on a accès à cette zone. Et bah, du coup, bah, les têtes vont s'ouvrir, tout simplement. Après avoir affronté les deux, hein, Kraid et Riddle, qui font partie des ennemis les plus populaires de Metroid. Clairement ça. Plus Riddle que Kraid, mais globalement... Oui. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. On va continuer un petit peu. Hop. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors attends.
c'est bon. Ok. On est revenu ici, on peut sauvegarder du coup. Et là encore, bon. T'adores détruire les murs dans ce bled. Et là. Il y avait une statue, mais il lui est arrivé un petit problème, comme vous pouvez le voir. C'est pas du tout ce qui était prévu au programme, ça. Mais bon. C'est les risques de la vie, hein. Passer au travers. Et là, curieusement, on va obtenir quelque chose alors que ce n'était pas indiqué sur une carte. L'attaque en vrille. Aucune statue ne m'a indiqué qu'il fallait aller là, mais on l'a obtenu quand même. Et l'attaque en vrille, c'est une des améliorations les plus fortes du jeu. Donc là, on commence à aller vers progressivement vers la fin même. Du jeu, j'ai envie de te dire, mais on va commencer à aller dans le dur aussi. En gros, l'attaque en vrille, donc vous l'avez vu hein, puisque je viens de l'activer, c'est à dire qu'en sautant et en faisant des petites roulades, je vais activer une vrille qui détruit des parois, qui détruit des ennemis aussi. Hop, vous voyez ça, on est déjà beaucoup plus fort aussi, et on a pu notamment accéder à cette petite zone où il y avait le missile du coup. L'unité de sauvegarde pour sauvegarder. Alors on va juste faire ça. Alors je propose qu'on s'arrête là du coup pour cette vidéo, voilà, puisqu'on a eu de nouvelles améliorations, on a battu un boss, voilà, donc c'est plutôt pas mal pour s'arrêter. Et du coup, eh bien merci de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Et on commence petit à petit à voir la fin du jeu, hein. C'est pas un jeu qui est globalement très très long, mais on va tomber bientôt dans une période, une partie assez complexe. Pour ceux qui connaissent le jeu, c'est une partie que je n'aime pas affronter dans Metroid Zero Mission. Mais on doit en passer par là, mais on n'y est pas encore tout à fait, mais ça va venir. Voilà, en tout cas pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi, et à très vite pour la suite.